Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinous. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et est-ce que tu es prêt? Je lance. Allez. C'est parti. Et du coup, c'est bien ce que j'avais vu pendant la pause. Ici, on a des vieux bras bleus qui ne servent à rien. On va les récupérer. Et donc, on était en train de regarder si on arrivait à nourrir nos petites... On arrive quand même à en nourrir un peu, on dirait. C'est peut-être pas encore parfait, mais c'est pas si mal. Et là, en termes de rouge, je pense qu'avec quelques modules de vitesse supplémentaires, ça le ferait. Bien sûr, pas de module de vitesse, toujours pas, hein. Non. Ici, on va demander juste ça d'arabe. Voilà, parfait. Ici, c'est même un peu trop. Ça d'arabe, ce sera bien assez. Eux, ils travaillent tous, pas de soucis. Ça y est, l'artillerie est repartie. Yes. Mais ils arrivent en boucle ici, hein. Ils s'arrêtent jamais. Tiens, on n'a pas de couverture dans le coin. Alors si on va voir du coup les trucs bleus, est-ce que ça le fait? Ou est-ce qu'ils commencent à se dépiler un peu? Bon, ça va. Ça va, ça va. J'ai même envie d'en mettre quelques-uns dans un... Mon Dieu, on a 20 uranium. Oh, arrête, ça commence à être la richesse quoi. C'est le début de la... Le début de la fin de la rançon de la gloire par le milieu. Ah bah voilà, bah ça va de l'autre côté du coup, donc on va pouvoir vérifier si on a une bonne fabrication. Ça bosse, c'est pas dingue, mais ça bosse. Ici, j'ai bien envie aussi d'en ponctionner un peu là. Vraiment juste un truc, histoire que ça bosse un peu quand même. Au niveau des rouges, ça ne bosse pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de fil de cuivre, vous êtes sérieux? Avec notre production là. Ils viennent d'où déjà? Ils viennent de là, les fils de cuivre viennent de là. Ah ouais, la vache quoi. Impressionnant, hein. Pourtant, on peut pas faire plus, hein. J'ai presque envie de virer ça. Oups, bof. On a tellement de production de verre qui est là maintenant, ces trucs-là. Je vais les virer, ça fera un peu de place. Voilà. Hop. Pourquoi ils se battent comme ça, eux, là? C'est quoi l'intérêt de ce truc-là? Expliquez-moi pourquoi... Pourquoi le fuck? Allez, on en fout juste un comme ça suffira bien assez qu'il passe... Se battre à deux, les rouler les bras là. Ah ouais, la vache, il galère tout seul, hein.
plus que 9%. Neuf furium, tu veux dire? Non, non, 9% Ah, pour la fête. de pour la recherche. Oh, il m'en faut encore 20. Commande à distance d'artillerie. Permet le tir d'artillerie manuellement à partir de la carte ou du monde. Oh, c'est beau. Tourelle d'artillerie, wagon d'artillerie, des éléments de moteur, des tuyaux, des plaques d'acier. On a moyen. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer à prévoir de la production un peu plus durable d'obus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça peut être un Qu'est-ce bon qu'il faut? truc. Bon, des obus explosifs, c'est peut-être pas utile pour commencer, encore que. Faut des barres de plastique, de l'acier et des explosifs. Et on en produit déjà plutôt. Ouais, en fait, on a déjà quasiment ce qu'il faut. Il faut juste ramener des barres d'acier, c'est ça? Ensuite, obus explosifs. Du plastique. Donc on va demander. Et on a dit des plaques d'acier. 50. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut là-dedans? C'est pas ça que je voulais faire. En cours d'approvisionnement, ouais, parfait. Donc voilà, bah on a un approvisionnement d'obus explosifs durable maintenant. Donc il va suffire de les commander, de les charger dans des wagons et on sera bien. Et ça, ce sera cool. Alors est-ce que 1 ça suffira? Je suis pas convaincu, hein. Je vais en faire 2 dans le doute. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Boum. 50. Et boum. 50. Voilà. On va faire travailler un peu les usines qui produisent des explosifs là. Elles glandent un peu trop à mon goût. Parfait, ça travaille. Alors il y avait un truc que j'avais vu, c'est qu'on voyait rien dans la zone tout en haut là. Ah, c'est cette zone là où on voyait rien sur la map. Alors, maintenant que j'y suis, forcément on voit, mais quand même poser un petit radar à peu près au milieu, c'est-à-dire ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Des armées de robots de construction qui se baladent. Ouh, on a terminé l'artillerie! J'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. C'est clair. Productivité minière 3. Ouais, bombe atomique. Oui, oh, tu peux faire la productivité minière. Je pense que ouais, je pense que c'est pas mal dans le contexte. En plus, on l'avait commencé visiblement. Du coup, des wagons d'artillerie. Je suis en train de rendre le mur un peu plus beau du côté des...
peu plus beau. Ouais, du côté du réacteur nucléaire. Ah oui. Un peu plus présentable. Le truc qu'on avait fait un peu trop. Bah je m'étais appuyé sur les falaises en fait. Je trouvais ça classe mais. Ah comment tu fais supprimer ? Planificateur de déconstruction. Ah oui c'est vrai. Oui non c'est vrai, c'est le. J'ai toujours pas trouvé la touche pour désactiver les destructions de falaises. Mais... Bah on va pouvoir le faire. Hein. Ouais mais j'ai pas eu de réponse dans les commentaires encore. Après, si on s'appuie plus sur elle pour se défendre, on pourra tout aussi bien les détruire. Hein. Pas de soucis. Et on a encore suffisamment de. Ah ouais, on a encore suffisamment de barres. Hein. Ouais, j'ai dû en remettre, j'en ai mis 5 à l'avant-dernier épisode, comme ça. Ouais, donc ça consomme franchement pas tant que ça. Hein. Par contre, ton dernier, ouais. Il a pas de carburant. C'est normal, parce que sinon. C'est en attente. Consomme. Bah sinon je devrais encore dépenser plus d'uranium 235, c'est pas le but. Après ça va hein, on produit déjà plus de deux fois ce qu'on a besoin donc oui, le troisième n'est pas forcément tout de suite nécessaire. Ouais, mais comme ça il est là, s'il y a besoin on a juste à rajouter un tapis. C'est vrai, je sais que t'aimes bien chaîner les trucs, je te comprends. La prévision. Eh ben moi ce que je vais faire c'est que je vais poser un truc là et on va faire une petite demande. Alors du coup qu'est-ce qu'il nous faut? On a dit tourelle d'artillerie non, tourelle lance-flamme non, où est-ce qu'il est planqué? Wagon d'artillerie. Voilà, parfait. Putain il faut 2000 trucs quoi. Alors là par contre on n'a pas besoin. Ah les modules de productivité ne peuvent pas être utilisés pour cette recette. Oh l'arnaque! La grosse déception. Alors, on a dit il nous faut. Putain, j'ai déjà oublié ce qu'il nous faut. Des plaques d'acier. Des plaques d'acier. Ensuite, des engrenages. Des engrenages. Ensuite, des circuits électroniques avancés. Comme ça, du ça, voilà. 50. Ensuite des éléments de moteur, 50 aussi même s'il en faut plus je crois, il en faut 64, un truc du genre, c'était quoi exactement la recette? 64 éléments de moteur, ouais, donc on va directement en demander ça en fait, ça sera plus pertinent. Et enfin des tuyaux. Voilà, c'est parti. Et on va décharger juste à côté. Alors il va me falloir un poteau électrique. Hop, voilà. Et on va pas en faire 200 par contre. Hein. Juste ça, ce sera bien assez. Pas trop combien on peut en mettre l'un sur l'autre, mais. Allez, démarre la première production. Est-ce qu'on peut en stacker plusieurs? Ça va être ça la question. On a bien des moteurs, hein, ouais. On a bien des moteurs. Dans le circuit. Où ils ont endommagé. Ah, ils ont pété un poteau. Où ça, ils ont pété un poteau? Ah, c'est sur ton avant-poste de charbon, hein, ils ont pété un poteau. Ah ouais. Ah, il y a moyen que les robots aient le réparé, normalement. Normalement, aussi. Oui. S'ils mettent pas trop longtemps. D'ailleurs c'est marrant, t'as un poteau en avant devant tout seul là. Ah ouais. C'est une distraction. C'est ça. On voit bien du coup qu'ils n'attaquent pas les poteaux, hein. C'est bon à savoir. Bon par contre, ouais les robots ils sont un peu en galère là. Il reste des trucs... Si ça y est, ils arrivent avec leur petit machin de réparation. Il faudrait qu'ils viennent avec un poteau. Pourquoi il répare pas la suite? Ah parce qu'il y en a d'autres qui ont eu l'ordre déjà. Ouais ok, c'est pas hyper optimal. Ça y est, le poteau est arrivé avant la prochaine attaque, c'est nickel. Ça marche bien ces petits trucs quand même.
Ouais, ça s'auto-suffit pas mal, hein, faut avouer. Tant que les robots ils peuvent venir de manière sécurisée en passant pas par un endroit où il y a des attaques. Ouais, c'est pour ça que j'ai fini par en mettre quelques-uns sur la ligne. En me disant. Ça marche plutôt pas mal, je plus sois. Ah, il te manque un radar pour ton nouveau tronçon avancé par contre de. Je sais plus si t'es toujours dans le coin, non, t'es plus là. Non, mais La je vais prochaine remonter. fois que tu passeras. Je vais remonter de toute façon. Alors du coup, on dirait que on peut pas. Ah, ou alors il n'en a pas encore suffisamment de moteur là. On n'a pas encore suffisamment de moteur, on dirait. Ouais, on n'a pas assez de moteur, très bien. C'est quoi ça? Il y a un truc qui déconne là dans les tapis, je crois. Effectivement. À mon avis, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Hein, ça n'avait. Ah bah ça va peut-être améliorer notre production de barres de fer d'un coup. Alors ici, c'était ici qu'on prenait des moteurs, du coup effectivement on en consomme donc ça ne marche plus. C'était un petit truc qui n'était pas forcément suffisant et ça se montre que c'était pas suffisant donc on va plutôt le mettre là. Hop, voilà. C'est de construire un wagon d'artillerie. J'en ai déjà un en fait. Ah. J'ai monté le truc de. Enfin, il est dans le réseau logistique. J'essaye surtout de voir si on peut en mettre plusieurs l'un sur l'autre. Il est juste là, là, si ça t'intéresse. J'essaye de voir si on peut en mettre plusieurs, voir si ça vaut la peine, comment je règle mon coffre. Ouais, on peut les stacker, donc parfait. Donc, du coup, pas de problème, on va faire ça comme ça. Je vais en mettre un sur le train du charbon. Et normalement, dans le réseau logistique, t'as des missiles, enfin des obus explosifs. On va tester ça. Et des obus normaux d'ailleurs. Attends, je veux assister à ça. Mais ça commence à être loin, hein, mine de rien. Ouais. La sacrée trotte, hein. Peut-être lancer la prochaine armure MK2 pour que ça aille plus, encore plus vite. pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Ouais. 29 d'uranium 235. Pas mal. Ouais, il vient de partir, pas grave. C'est plus que la moitié. Ah oui, merde. Check. Mais ça m'arrange comme ça, je vais peut-être doubler. Doubler ton avant-poste. Parce qu'il avait l'air quand même de prendre un peu cher, donc. Bah quand il y a des grosses attaques, ouais. Après, effectivement, la bonne solution c'est d'éviter qu'il y ait des trucs qui nous attaquent. Hein. Ça, je crois que. Mais ouais, je pense que le wagon d'artillerie a moyen. T'en as pris un du coup? Ouais. Hop, faudra que je vois. J'ai le setup là normalement. On va faire un coffre de. Vaudrait mieux le charger dans le camp, non? Parce que ici, les robots ils vont faire 2 km pour amener des obus qui pourraient être transportés par le train. C'est vrai. Oh, on arrive à produire 10 quais de circuit électronique avancé par heure, c'est beau ça. Je vais en commander un petit peu pour en avoir, mais je pense qu'il faudra les charger. On va commencer. Je sais qu'il y a quelques obus de base dans le réseau logistique normalement. Déjà Ah non, le c'est des temps de. missiles, pardon. C'est pas des obus de base, c'est des missiles qu'on a dans le réseau logistique. Autant pour moi. Donc on va commander des obus explosifs. Il y en a 143 dans le réseau logistique et 20 sur la route. Donc ils vont arriver. Quand on a commandé chez toi directement? Ouais, dans mon robot port personnel, ouais. Il y a des trucs détruits ici.
Ah non, il y a des trucs qui sont endommagés, ça va. Oui, d'ailleurs, c'est ça, je devais rajouter une. Ah mais non, les robots, non, avec ton nouveau setup là, les robots ils traversent la zone dangereuse. Comment ça? Là, tu vois, ils vont le long du trait jaune qui sort des murs. Et du coup, ils se font buter sur le chemin. Tu vois? Hop. Tu les as vus passer là ou pas? Bah regarde, regarde le robot-port là, tant que le train revienne. Regarde. Alors là, il répare ce truc-là. Mais ils partent, si tu pointes le robot-port qui est en haut à droite, enfin qui est en haut, t'as une ligne jaune qui part vers le robot-port qui est en bas à droite. Et du coup, ils suivent ce chemin. Donc ils sortent de la zone protégée pour aller au truc du bas et ils se font buter sur le chemin. Ah oui. Bah je vais faire un. Faudrait, bah, va falloir avancer sur le nid, je pense. Pas le choix. Déjà reposé là. C'est pas ultra prioritaire, hein, mais. Voilà. Avant que j'oublie, j'ai reposé un radar. Ah oui, pas con. Il y en a combien d'uranium? Ouh, 31 d'uranium. Ouh. 9. On en fait quoi, 5 par épisode à peu près? Ça dépend vraiment. L'épisode précédent, je crois qu'on a fait 15 ou 20. Et un épisode, on en a fait 5. Neuf. Ça y est, le train de charbon revient. Attention, devant vos yeux ébahis. Et là, Sprotch, Katox se fait écraser. Hop. Une Big Bertha bien comme il faut quoi. Ah non, obus explosif ne peut pas être utilisé comme munition pour le canon d'artillerie. Ah, il faut des missions d'artillerie alors du coup, tout court. Ah la tristesse, bah ouais peut-être du coup. Ah merde. Oui, enfin c'est pareil que c'est pas déconnant des munitions d'artillerie, ouais. Ah je suis déception. Bah attends, mais du coup il faut quoi? Commande à distance? C'est où? Ah, Obus mais obus d'artillerie, d'artillerie. je peux en faire 3. Explosif. J'en fais Explosif, obus 3. explosif et un radar. Il faut des radars quoi. Ah, il faut peut-être que ça soit sur zone de radar? Non. Non, je pense que c'est juste pour la fabrication. Bah tu sais, il faut des moteurs pour fabriquer des potions, hein, donc on n'est pas sur un truc. Ouais. Allez, je vais en fabriquer un. Allez, 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 allez. Boum! Alors, est-ce qu'il va tirer? Il s'oriente. Tire sur lequel, c'est ça la question. Le plus proche, tu Sur le crois? plus proche, j'imagine. Mais alors, est-ce qu'il va tirer sur le nid ou... Il a Il a tiré tiré. sur une tourelle verte. Et il l'a tué en un coup, du coup. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à faire tout ça et. Je crois que t'en mets un à chaque. Ah ouais, il va falloir en mettre un à chaque train. Ouais. Limite un devant et un derrière, d'ailleurs. Parce que je commence à tirer lentement. Boum! Ah, c'est juste au Ah, fur et à mesure. Bon, il one-shot n'importe quoi. Par contre, il tire sur les tourelles en premier, quoi. Donc, il va lui falloir le temps et les munitions. Ouais, mais d'un autre côté, tu laisses ça sur du long terme, je sais pas la portée du truc, mais petit à petit. Ah, j'essaie de dézoomer, mais j'arrive pas à voir la portée, donc je pense que ça doit être plutôt énervé. Hein. Portée en mode automatique 224, portée en mode manuel 560. Et si on prend par exemple une tourelle, portée 24. Donc ça a approximativement 10 fois plus de portée qu'une tourelle. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, mais ça fait le taf quand même. Ah, et puis là, il a buté deux nids en un seul tir par contre. Donc ouais, bah non, bah du coup j'ai foiré, mais je sais pas ce que j'ai branlé avec mes obus, mais on va aller s'en occuper du coup. Bon. Au moins ça fonctionne. Voilà, au moins ça fait le taf. On a une production de wagons en cas de besoin. Après, je pense qu'on peut mettre un wagon sur chaque train et puis ça suffit. Ouais, je pense aussi, ouais. Pas besoin d'en produire. Qu'il va vraiment falloir produire du coup c'est les obus par contre. Enfin au moins au début, après ça dépendra de la vitesse de refabrication des trucs, mais. Par contre la recette pour les faire est un peu pourrave, hein, faut dire ce qui est. Bah, des radars, c'est bien drôle quand même. Bah ouais. Après je crois pas que ce soit trop complexe les radars.
Ouais, des plaques de fer, des engrenages, des circuits électroniques, ça va. Ça va, ça va. Bon, hein, du coup, je vais désactiver ma fabrication d'obus explosifs parce que ça va être un peu la violence pour pas grand-chose. Ouais, Tiens, t'en as pourquoi besoin on alors a... cette. J'en ai besoin? Bah, je pense bien. Ah oui, oui, exact, t'as raison. Besoin d'obus explosifs, d'explosifs et de radar. Non, t'as raison, c'est toi qui as raison. Tout à fait. Alors du coup, on va juste inverser un peu ce bousin. Ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas prendre dans l'autre sens. Alors, les missiles, on va les prendre. Voilà, ils servent à rien. Et ici, on va dire, on va faire plutôt des obus d'artillerie. Voilà. Alors maintenant, il faut quoi? Des radars. Des radars, des radars. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine? Faut combien? Deux radars, c'est ça? Un radar. Ouais, donc ça va, c'est pas non plus. Bon, déjà, on va en fabriquer quelques-uns. Des fils, il faut. Non, des plaques de fer. Ah, il faut des circuits verts. Allons nous placer à un endroit où il y a des circuits verts. Par exemple, ici, à l'arrache. Ah non, mais putain, mais oui, ok, d'accord. Il se décharge mes missiles. Vire-moi ça. Trop tard, j'imagine. Pas grave. Alors, il me faut une machine. Un grand bras. On va faire, on a dit. Des radars, des radars, des radars. Des engrenages, des plaques de fer. D'approvisionnement parfait, nickel. Est-ce qu'on en crée toujours des petits trucs? Quoi, on a une dèche de châssis robot volant, donc nos robots logistiques, c'est pas trop la teuf. Voilà, on n'a pas besoin de 30 000 radars à la minute. Ah, c'est parce qu'il me semblait que ça serait juste en dehors de ce putain de poteau. Voilà. Et donc là, on enlève ça, on enlève ça. Hop, hop. Et on demande des radars. 50, ce sera très bien. Et quoi d'autre? Des obus et des explosifs. On a tout normalement, sauf que là, il faut inverser le bras. Et c'est parti. Hop. On va en fabriquer une stack d'avance. Alors maintenant, tiens, on n'a pas assez d'énergie pour charger nos condensateurs. Comment ça se fait? Il y a une couille. Comment ça se fait? Pourquoi? Ah, on fournit plus d'énergie d'un coup. Ils se sont arrêtés les radiateurs? Les réacteurs? Attends, laisse-moi regarder. Bah non, pourtant on dirait pas. Mais il y a plus de vapeur qui est fabriquée. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ouais, ça c'est un truc à plus d'eau. Alors, un peu bon. Ah, il y a plus d'eau, oui, j'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il dit. Ah, t'étais en train de changer un truc? Hop. T'as bougé la pompe, un truc du genre, c'est ça? Ouais. D'accord. Je vais refaire une demande de pompe. Attends, attends, te fais pas chier. Une pompe. Une pompe, j'en ai pas sur moi, sérieux.
C'est bon, on arrive. Ok. J'ai posé des tuyaux là, mais... Tu la veux où ta pompe? Truc comme ça. Oui, je verrai ce que je cherche fois, c'est... Pour la placer, c'est super, hein, mur. Ah, puis de toute façon, c'est en dehors de la... Non, c'est dans la zone de construction. C'est pas dans la zone logistique, mais c'est dans la zone de construction. Normalement, il devrait venir. J'en ai demandé une, je sais qu'en approvisionnement, il y en a 4. Bon. Alors, on va forcer les trains à revenir, par contre. On va demander une petite livraison de wagons d'artillerie. Ils sont là. Hop. On va aller s'occuper de ce train-là. On va le couper avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Manuel, voilà. Il me semble sûr qu'il va pas se barrer sans nous, n'est-ce pas? Où est l'avant, où est l'arrière? Ok, ça c'est l'arrière. Mes wagons sur la route 0, satisfaction 3 sur 5. Ah, ils m'en ont déjà mis. Ah, oui, ils sont là. Autant pour moi, je m'excuse. Ah la vache, depuis le camp, ils se préparent déjà à tirer quoi. Ouh, la petite lumière sur la map. Ouais. Oh, ouais, ouh, ça picote, ça picote. Bon, on a déjà plus de munitions du coup, mais c'est classe le petit rayon lumineux sur la map là, ça fait bien plaisir. Ah, c'est bien pratique. Ça se crée lentement ou les obus? Ouais. Ça va. Pour l'instant, j'ai juste fait un truc un peu à l'arrache, mais on a un module de vitesse et tout. La demande au début va être un peu forte, mais je pense qu'une fois qu'on aura nettoyé un peu, ça sera ira mieux. Quoi. Je crois qu'il est arrivé à la portée max parce qu'il a normalement il a 4 de munitions. Il tire plus, ouais. La portée max, c'est quand même pas. Il parle d'une. Je vais tester un truc. Il parle d'une portée manuelle, donc il y a peut-être moyen de rentrer dedans pour tirer. Si je prends la portée max autour du point de charbon, ça va, en théorie, ça va déjà bien nettoyer. Et si on met autour du pétrole, ça nettoiera bien aussi. Alors je suis rentré dedans mais je vois pas comment tirer. Il faut tirer en plein milieu de la base. Ouais, je vais essayer, genre si c'est avec échappe, un truc du genre. Enfin... Mais tu t'as pas besoin justement d'une commande Bah je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il a tourné. Avec la commande à la distance. Je pense que ça doit être ça, hein, parce que les... Tire manuellement à partir de la carte ou du monde, voilà. Ça partir de là à mon avis. C'est ça. Tiens, c'est marrant. On peut voir quand on regarde la tourelle, on voit les dégâts, le nombre de tués, il a tué 7 trucs, il a fait 3289 dégâts. Ouais, c'est sur toutes les tourelles. Hein. J'avais jamais fait gaffe. Bon, j'ai paralysé le wagon de cuivre, donc on va aller en speed lui mettre son petit wagon d'artillerie aux fesses. Si tu regardes les tourelles qui sont en bas là, qui tuer 110. 175, c'est beau. 300. 360. Ah, c'est vrai que ça commence à envoyer un peu du lourd hein, dans les. Allez, des petits. Ah, l'épisode est un peu long, va falloir qu'on s'arrête malheureusement.
On aura peut-être l'uranium pour la prochaine fois. Ouais, ben je veux rester à côté de mon wagon d'artillerie pas encore approvisionné, comme ça au moins je vais y penser. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a enfin réussi cette recherche. La productivité minière avance pas ultra vite, mais elle avance, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut!